Maître Corbeau s'en approche. Tenez dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléché. Le tintin un peu près sur l'engrave. Eh bonjour Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Non. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Pourquoi il ouvre la bouche, il fait tomber son fromage? Parce que l'autre, il lui a dit, il lui a fait des promesses. Il lui a dit, oh, que t'es jolie. Il s'est fait avoir, il a ouvert la bouche pour parler. Et le renard, il a fait exprès de lui dire qu'il était beau, parce qu'il savait que le corbeau allait être content et tout. Il ouvre son bec et poum, il fait tomber le fromage. Oui, le but, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter. Oui, mais pas dans le trou. Ah, mais parce qu'il n'a pas pensé. Le corbeau, honteux et confus, jura. Mais... Non, c'est pas ça, t'as oublié. Le renard s'en saisit, il dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur est au dépend de celui qui... Cette leçon vaut bien un fromage. Le corbeau honteux et confus jura. Ah,